Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round pour une spéciale. Cédric Doumbé, il nous fait l'honneur de son retour sur ce plateau. Surtout, un retour très attendu au Zénith de Paris, tambour battant. Bonsoir Cédric. Bonsoir, bonsoir à tous. Et également sur ce plateau, Abdel Kaznadji, l'organisateur, l'homme au grand coup en fait. Hein, parce que quand même, avoir Cédric Doumbé sur son plateau, c'est pas rien. Et puis, Sébastien Love pour le tour de l'actualité, c'est tout de suite. Fedor a fait ses adieux, ça y est, donc bon, il s'en va sur une défaite par KO, mais ce qu'on retiendra de ses adieux, c'est toutes les anciennes gloires qui sont venues lui rendre hommage, Couture, Lidl, Barnett, Royce Gracie, Matthews, Coleman, donc voilà, une légende s'est en allée, voilà, Fedor, pour tous ceux qui ont connu, c'est triste, mais c'est comme ça. Après, on a eu de très beaux galops ce week-end, et notamment à Rennes, en Bretagne, l'AEF 2e édition qui met à l'honneur les amateurs, c'était vraiment très bien organisé, bravo à Willy Sirop, la 3e édition aura lieu le 14 octobre 2023. Il y a eu également la MMA League à Tarbes sur 2 jours. 85 combattants français étaient là. Un très beau plateau. La prochaine édition se passera en Corse à Bastia, organisée par le KTP Skol La Bastia. Voilà, c'est tout. Je fais vite parce que Cédric qui nous a expédié ça en une minute. Parce que l'actualité est chaude et elle est très chaude. C'est Cédric Doumbé, c'est notre invité Spotlight. Tout de suite. Cédric, on t'avait quitté donc à Bordeaux en décembre dernier, seulement 2 mois après ce dernier combat, pas le temps de se reposer, tu reviens tambour battant, tu es dans les starting blocks, à plein régime, face à un adversaire, Pavel Klimas. Alors qu'est-ce qu'on sait de lui? Moi j'ai cru comprendre qu'il était militaire, voilà, militaire de 25 ans, on dit qu'il est kicker, bon pas à ton niveau j'imagine, mais il a commencé en tout cas à 14 ans, donc des bonnes fondations, et surtout il a une écurie, il est dans une écurie spécialisée dans le JJB d'ailleurs, donc il te respecte énormément, mais il dit que son coach de JJB est meilleur que le tien. Alors comment tu vois les choses pour ce combat? Alors c'est un adversaire que je connaissais pas. Je pense que lui, il me connaissait déjà. Il a un très, très gros gabarit. Hein, et je pense qu'il doit faire un gros cutting. Donc, ça va être un peu compliqué, je pense, en termes de lutte, même de défense de lutte, parce que je pense qu'il est très, très lourd. Plus lourd que le précédent, en tout cas. Comment je vois le combat? Je pense que l'issue sera la même chose. Hein, c'est-à-dire, je vais gagner. Maintenant, comment? J'aimerais bien gagner par KO. Donc, je pense que je vais gagner par KO. Premier round ou deuxième round, je ne sais pas. Maintenant, c'est un striker, c'est vrai. Mais franchement, je pense pas qu'il va m'inquiéter plus que ça en striking. S'il va m'inquiéter dans une de ses palettes, je pense que ce sera plus en lutte. Maintenant, j'ai beaucoup évolué déjà, même depuis le combat précédent. J'ai beaucoup plus pris confiance en moi, dans mon MMA pur. Certes, c'est un adversaire qui est meilleur que le précédent, meilleur que les précédents. Maintenant, je ne le vends pas comme un tueur. On est tous d'accord pour dire que ce n'est pas le combattant du siècle qui risque de m'inquiéter très gravement, mais il est meilleur que le Mais précédent. Tu nous avais déjà dit ça au combat précédent, et finalement, Florent Burion a peut-être même moins bien existé que Title Shy dans la cage. Alors, la différence avec cet adversaire, c'est que déjà, il faut savoir que moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti dans la cage, c'est que Florent Burion me craignait, un peu trop même. Et je pense qu'il m'a un peu trop respecté et voilà, je pense qu'il a subi la pression d'avant-combat, la pression du combat, et ça l'a bouffé, et on a vu l'issue, parce qu'il vaut beaucoup mieux que ce qu'il a montré lors de ce combat. Maintenant, la différence avec ce Polonais, c'est que déjà, c'est un Polonais. Deuxièmement, il n'est pas là pour me craindre ou pour me respecter ou pour quoi que ce soit. Il te craint, Cédric. Il sait, il connaît ton background en kick, donc forcément, il a cette appréhension. C'est un Polonais, il ne me craindra pas. C'est-à-dire Il reçoit beaucoup de messages de la communauté française. Apparemment, beaucoup disent « attention, il va te tuer ouais. », mais il ne se laisse pas impressionner, c'est ce qu'il dit. Déjà, du combat que j'ai vu de lui, c'est un bagarreur. Donc je pense qu'il va venir à la guerre et qu'il ne va pas se laisser impressionner par un petit Français qu'il soit champion de kickboxing ou pas. Non, c'est un guerrier, ouais, c'est un bagarreur comme tu le dis, mais il sait. Enfin, je veux dire, un mec qui va à la bagarre avec toi, en striking, il sait que concrètement, c'est dangereux. Mais c'est là où j'insiste sur le fait que le niveau striking n'est pas comparable.
Lui, il va s'y chercher. Voilà, il attend de Néo, je pense. Je pense pas qu'il réussisse dans cette phase-là. Après, ce jeu qui réussit, je sais pas. Alors, Pavel, c'est aussi un très beau palmarès. 4 victoires, 1 défaite, 90% de finish à son actif quand même. Comment vous y êtes pris pour trouver cet adversaire? Parce que c'est compliqué, d'après ce que j'ai compris, de trouver des adversaires à Cédric. C'est quoi? C'est compliqué dans le sens où déjà, il y a beaucoup de refus. On parle beaucoup des gens qui le provoquent sur les réseaux. Mais moi, le jour où je ferai la liste des refus, parce qu'on va chercher des gens solides quand même. Moi, j'ai aucun intérêt là, j'ai aucun intérêt à matcher des gens qui sont engagés dans d'autres orgas. Donc, les polémiques, elles servent à rien. Maintenant, nous, ce qu'on cherche, c'est une opposition solide. Je l'ai déjà dit au dernier. Vous m'avez interviewé là-dessus à l'époque. Et moi, il me faut quelqu'un d'assez solide pour tenir face à Cédric quand même, qui ait les compétences techniques pour aller chercher. Mais il n'y en a pas tant que ça, en fait. Avec moins d'écart de combat avec Cédric, il n'y en a pas beaucoup. Cédric, juste après le MMA GP, va vite bondir sur quelque chose de bien au-dessus. Alors, justement, c'est ce que je voulais dire, parce qu'il y a beaucoup de gens beaucoup de haters sur les réseaux, par exemple, qui vont dire « Oui, mais tu prends que des plombiers, etc. » Mais ce qu'ils ne savent pas, parce que la plupart n'a pas de cerveau, c'est qu'il y a quand même cette loi française qui existe, parce que le MMAGP, c'est une organisation française, et je combats en France, qui dit qu'en dessous de 10 combats, je ne peux pas prendre un adversaire qui a plus de 5 combats d'écart. Donc, ça réduit considérablement la liste, parce que des noms en France, il y en a plein que j'ai demandé à Abdel, mais à chaque fois, à Abdullah, donc il me disait, non, on ne peut pas. J'ai déjà pensé, mais il a plus de 10 combats, etc. Et c'est là où ça réduit considérablement la liste. Donc ça, il ne faut pas oublier. Mais alors justement, tu as traversé le monde durant ta carrière en kickboxing. Pourquoi tu as envie de t'établir seulement en France? À l'heure actuelle, tu veux construire ton palmarès en France. Tu pourrais aussi aller à l'étranger? C'est stratégique. C'est-à-dire que j'ai gagné le public du kickboxing français. Et même, je dirais même du sport en général. Après, j'ai touché à d'autres domaines, un peu comme la télé-réalité sur Netflix, etc. Donc, il y a beaucoup de gens derrière moi. Mais il y a cette nouvelle génération de pseudo-connaisseurs de MMA qui doutent encore. Et j'ai envie de montrer à la France que je suis le porte-drapeau du MMA français, notamment dans les plus grosses organisations comme le Bellator ou l'UFC ou autre. Et alors là, tu en es déjà à 3 combats en 8 mois avec le prochain. L'idée, c'est d'arriver à combien de combats avant d'intégrer une organisation d'envergure mondiale? J'ai pas d'objectif fixé atteint. Comme là, vous avez pu le constater, j'enchaîne. Donc j'enchaîne jusqu'à ce qu'arrive, comme je l'ai déjà dit, l'organisation phare en France. Mais il n'y a pas d'objectif de combat précis. D'accord, tu t'es pas fixé un palmarès précis. Tu te produis dans des salles de plus en plus prestigieuses. On a d'abord commencé avec le Cirque d'hiver, c'était déjà hyper bien. Ensuite, on a été à Bordeaux. Maintenant, le Zénith, donc c'est plutôt beau. La prochaine étape, peut-être Bercy, c'est ce qu'on te souhaite. Sous les couleurs de quelle organisation? Parce que là, tu nous parles de l'UFC, mais on a entendu dire que le Bellator t'avait fait aussi une très belle proposition. Alors, c'est faux. C'est faux? Le Bellator m'a pas encore fait de proposition. Donc ça, c'est faux. Mais tu l'as dit sur tes réseaux, il me semble. Non, j'ai dit imaginez. Ah eh oui, c'est ça. Ok, ne coupe pas. Eh oui. C'est là où la après. La subtilité du discours. Puis moi j'ai entendu ce que je voulais entendre. Oui. Non, c'est là où les médias après ils vont trop vite. Mais non, j'ai dit imaginez le Bellator arrive avec telle proposition, puis l'UFC arrive avec une autre proposition. Et là j'ai fait mon analyse, mais je n'ai pas dit qu'ils étaient arrivés. Par contre, oui, ça va arriver, ils vont me faire une proposition. Et là, ça sera un peu compliqué parce que là, il y a clairement, pour parler cash, il y a soit tu choisis la gloire, soit tu choisis le frigo plein. Donc, le Bellator te proposerait plus que l'UFC, tu penses ? Oui, ouais. Clairement. Le Bellator peut être très généreux. Hein. Clairement, ouais, le Bellator, ils vont proposer largement plus. Et tu refuserais le Bellator ? Au début. Tu es ouvert aux enchères, en fait, c'est ça la question ? Moi, je suis ouvert. Ouais. Si le Bellator nous entend. Moi, je suis, je suis totalement ouvert aux enchères. Et après, je vais créer un gros concept. Là, je ne peux pas trop en parler maintenant, mais on va dire que ce n'est pas moi qui vais choisir où je vais aller. Ah ouais ? C'est bien. C'est le public qui va choisir. Le public ? Où je vais aller. Ouais, arrête. Ah ouais? Donc on est sur du participatif? On est sur du participatif et là le public il va forcément vouloir que tu ailles à l'UFC. On verra, hein. C'est pas dit. Ah ouais? J'ai beaucoup de messages qui me parlent du Bellator. Ah ouais? Il y a des gens qui pensent à mon frigo. Ils me disent oh Bellator, on s'en tape, etc. On sera toujours là derrière toi. Et tu étais aux premières loges des deux événements. En termes d'expérience, toi tu l'as vécu comment? J'ai eu la chance d'assister au combat qui était le combat de la soirée. C'était un combat féminin, je crois que c'était une fille qui s'appelait Lucie Bernard.
Oui, non, c'était quoi ta question? T'étais aux premières loges, donc sur les deux événements. En termes d'expérience, qu'est-ce que tu as vécu le plus intensément? J'imagine l'UFC. Oui, l'UFC, oui, clairement, parce que l'ambiance, elle était folle. L'UFC, l'ambiance était folle et les émotions aussi. J'étais partagé entre la joie parce que c'est waouh, l'UFC en France, et la tristesse parce que oh, je suis dans les tribunes. Oui, comme voilà. Et du coup, mais ça passe extrêmement vite. Bientôt septembre, bientôt un an. Du coup, voilà, rien n'arrive par hasard. Mais oui, j'ai beaucoup plus vécu l'UFC en France que le Bellator. Qu'est-ce que tu as changé depuis ton dernier combat? Parce que là, en général, tu es en Irlande à ce stade de ta préparation. Mmh. Aujourd'hui, tu es en France. Comment ça se fait? Alors, déjà, il faut savoir que je suis très frileux. Donc... D'où la doudoune XXL. D'où la doudoune Zélis. D'où la doudoune Zélis qui est très, très chaleureuse. Non, je suis très frileux. Donc là, il y a beaucoup de questions qui se sont mélangées dans ma tête quand... T'es venu l'annonce du combat suivant et je me suis dit oh là, la diète en Irlande, il fait hyper froid, la petite chambre, etc. Et donc ça, c'est la première raison, très froid. T'as eu une envie de plus de douceur, là, ouais, de ce camp. J'ai envie de rester à la maison. Deuxièmement, il faut savoir que John, c'est un très grand entraîneur. Il est connu maintenant mondialement de par tous les combattants qu'il a sortis, dont Conor McGregor. Et parfois, il est amené à aller coacher à l'étranger. Parfois, il va s'absenter une semaine, trois jours, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, ce n'est pas lui qui dispense les cours. Et parfois, c'est un peu bon, comme dans toutes les salles. Quand le coach n'est pas là, soit c'est un élève qui dispense les cours, soit c'est un autre coach qui est un peu peut-être moins expérimenté qui va dispenser le cours. Et moi, j'ai besoin de John tout le temps. Et il y a une difficulté aussi à trouver des sparring en Irlande. Pour moi, c'est pour ça que dans mes vidéos YouTube, vous avez vu, parfois, je suis allé tourner en boxe anglaise pour essayer de me mettre un peu dans le dur avec des mecs plus lourds. Donc là, je me suis dit, tiens, je vais rester en France. Pourquoi? Parce que là, avec Abdallah qui gère très bien les sparring, je vais avoir des sparring tous les week-ends. Il y a Mehdi qui est là, je vais tourner au sol. Certes, ce n'est pas du MMA, mais je vais quand même évoluer au sol. Et puis, je me suis dit que j'irai dans une salle de MMA pour tester un peu les entraînements MMA. En France? En France. Tu sais où ça? Hatch Academy. mais c'est vrai que ça tourne dans le dur là-bas. Ah, ça tourne très très dur. Ouais. Et tu as déjà commencé à tourner là-bas? Non, ce soir. Pas encore? Ah, ce soir tu y vas? Eh ben. Enfin, j'ai commencé déjà, j'ai fait du sparring avec des mecs de la Hatch. J'ai fait un sparring lundi, là. Ouais. Récemment, ça s'est très bien passé. T'as tourné avec qui? C'est pas en Israël? J'ai oublié les noms. Un qui s'appelle Kevin. Ouais. Et l'autre, j'ai oublié comment il s'appelait. Ah, c'est... Mais puis, il y a du choix. Ouais, il y a beaucoup de combattants là-bas. Ça s'est très bien passé. J'étais super content. On a fait. J'ai fait six beaux rounds. Et là, du coup, je vais m'entraîner avec eux pour voir un peu comment je me débrouille. D'accord, pour te challenger un petit peu. Donc, tu as réussi à... Pardon. C'est la première fois que tu prépares tes combats de MMA en France. Ouais. Les trois précédents, c'était qu'en Irlande. En Irlande. Ok, bah, c'est bien. Chez Hatch, ça va. Donc là, tu as réussi à réunir toutes les conditions. Un camp parfait, à ton sens? Non, pas parfait, parce que ça reste encore du bricolage. Bon, c'est là où est ma force. C'est que même en bricolant, bon, j'arrive quand même à gérer. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore bien professionnalisé en termes de... D'accord. De training camp MMA. Ouais, donc en fait, ça prend du temps, j'imagine, un cheminement qu'il va falloir mettre en place. Mmh. Au niveau du bricolage poids, nous, parce que dernière fois, on était sur 18 kilos en 5 semaines? Ouais, donc c'était un peu extrême, c'est vrai. Non, là, ça va, La dernière fois, je suis parti de 95 kilos. Là, je pars de 86 kilos. Donc, c'est mieux déjà. C'est mieux. Mais ça reste compliqué, c'est le poids, hein, pour tout le temps. C'est tout comme le tu temps disais, compliqué. C'est la tentation de la bouffe ici quand t'arrives, c'est horrible. Ça, c'est le piège. Ça, t'as du mal à le gérer. Non, mais encore, tu te désocialises en fait. T'as pas le choix, sinon t'es mort. Enfin, je sais pas, je sais pas comment toi tu gères, mais moi, je me désocialise. Ah ouais, c'est ça. Oubliez-moi. Entre ceux qui t'invitent, qui disent t'es au resto ou je sais pas où, toi tu manges ta diète, et on te dit non, mais mange ça, c'est du poulet. Tu sais, les gens, ils ont une conception de la diète. Mais ils baignent. Mais ça, c'est une salade avec plein de vinaigrette. C'est une salade. Non. Là, on revoit justement les images de ta dernière souffrance. Mm-hmm. Comment tu l'expliques? Pourquoi ça a bloqué à un moment donné? C'est quoi? C'est hormonal? Comment tu l'expliques? Non, c'est ce que j'allais dire, c'est la lutte en fait. C'est ce nouveau sport, le MMA en général, qui fait que je n'arrive plus à perdre du poids comme je le faisais avant. Parce que tu es plus musclé? Parce que je prends plus. J'ai un métabolisme qui fait, une morphologie qui fait que maintenant, quand je fais ces sports de préhension, je vais prendre du muscle directement. Mm. Là où avant, en kickboxing, je faisais beaucoup de cardio. Ouais. Et je pouvais perdre du poids, gérer ma perte de poids. Là, c'est très compliqué. C'est-à-dire que je vois que je sèche,
mais la balance, elle ne bouge pas. Donc, il faudrait presque que tu t'aménages un cardio tous les deux jours. En fait. C'est ça. C'est obligatoire. Compliqué. Et en même temps, il a besoin de cette masse musculaire sur les bases de lutte. Ouais, c'est vrai que, en fait, de toute façon, il va changer. Moi, j'ai eu beaucoup de combattants avant et là, j'ai bien vu le changement qui s'opère quand tu passes du pied-point ou même des karatékas qu'on a eu à l'époque et qui sont mis au MMA. Au bout de deux ans, c'est plus les mêmes, hein, même physiquement. Donc il y a cette adaptation en plus qu'on ne prend pas en compte, mais qui va jouer dans la balance pour lui. Ta vie d'entertainer maintenant, j'aimerais un petit peu en parler. Beaucoup de gens se mettent à te défier. Est-ce que tu as le sentiment qu'on te court après, qu'on court après ta lumière? Oui, et c'est assez drôle. Pourquoi? Parce que je me revois moi avant. C'est vrai. Mais moi, j'étais crédible. Mais je me revois, je me revois moi avant quand je provoquais des Karim Gadji, des Yoann Lidon, alors que bon, j'étais personne encore dans le milieu. Et ça me fait sourire. C'est pour ça que je ne le prends pas mal, en fait, parce que je comprends, je me mets à leur place et je comprends qu'ils cherchent la lumière. Maintenant, là où ils s'en foutent, c'est que c'est moi. C'est pas Karim Gadji, c'est pas Yoann Lidon. Donc oui, j'ai ce sentiment que tout le monde me court après pour essayer de prendre ma lumière. Mais alors, c'est bien de vouloir prendre de la lumière, encore faut-il être prêt à faire ce qu'il faut pour l'avoir, cette lumière. Les haters, par contre, ça c'est un peu le revers de la médaille. Il y a beaucoup de haters, comment tu vis ça? C'est quelque chose qui t'atteint ou pas? Non. Pourquoi? Parce que depuis le début de ma carrière, j'ai toujours essuyé ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que j'ai un personnage qui n'est pas facile à tenir. Je suis assez arrogant dans le ring, je suis assez fanfaron, je taquine beaucoup, je ne me prends pas au sérieux, je clash beaucoup. Donc forcément, il faut s'attendre au revers de la médaille. Et ça, j'ai eu toute ma carrière pour justement m'adapter à comment réagir face à ce type de personnes. Aujourd'hui, à cette échelle-là, je suis rodé maintenant. C'est-à-dire mais que, au début, tu le disais. Au début, c'était compliqué parce que ça tu répondais. Ouais, ça me touchait. Parfois, je répondais et je me disais, mais ils comprennent pas ou quoi? Je rigole. Et en fait, à force de rencontrer des personnes qui, après 5, 10, 1 heure avec moi, me disaient, oh, en fait, t'es normal finalement. C'est là où je réalisais qu'en fait, c'est vrai qu'ils ne me connaissent pas. Donc, eux, tout ce qu'ils voient, c'est quelqu'un qui dit, je suis le meilleur, je vais te mettre KO, je vais faire ceci, je. Donc forcément, ils ne sont pas là après quand la caméra se coupe. Donc c'est vrai qu'ils ne savent pas. Donc, surtout en France, là où aux États-Unis, eux, ils savent direct que voilà, c'est du sport et qu'une fois que le combat est passé, c'est une autre personne, forcément. Là, en France, ils ne savent pas. Donc c'était extrêmement difficile. Maintenant, aujourd'hui, je comprends tout à fait. Et je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent, tu sais, au début, je ne t'aimais pas, mais en fait, finalement, je vois que t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. Donc, en fait, je suis ton premier supporter maintenant. Mais on a l'impression que c'est un jeu pour toi. Parce que d'un côté, ils ne te comprennent pas, mais c'est aussi le message que t'envoies au monde. Mm-hmm. Donc, bon, ils te perçoivent comme tu les laisses te percevoir aussi. Mm-hmm. Par exemple, sur Twitter, tu envoies des bombes et tu les laisses fermenter. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Tu n'alimentes pas derrière. Tu lâches une bombe et tu ne réponds plus après derrière. C'est exactement l'expression que j'utilise à chaque fois. Je lance une bombe, allez, débrouillez-vous maintenant. Et le truc, c'est que ça parle. Cédric Doumbé. En bien, en mal, en tout cas, ça parle. Des fois, ça se bat. C'est-à-dire j'ai la team Doumbé qui se bat contre la team X et c'est bien parce que ça parle de moi. Et c'est là où je vois aussi ma force parce que moi j'ai grandi dans ça et aujourd'hui je me rends compte qu'en fait j'ai une force, j'ai une puissance médiatique, c'est-à-dire j'ai ouvert ma chaîne YouTube, elle était extrêmement suivie, il n'y a que des bons retours. Je vais dire faites ceci, achetez tel t-shirt et il y a un taux d'engagement derrière, les gens vont faire ce que je dis. Et c'est là où je vois quand même que j'ai quand même un certain impact. Et ça me fait prendre conscience aussi qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis. Ouais, t'es influent. Voilà, parce que ça. Et surtout, tu n'as plus besoin des médias en réalité. Tu es devenu média en fait. Bah, c'est vrai que là, je vous fais l'honneur d'être là parce que bon, c'est. C'est sympa, ton gars. C'est vous, hein. C'est voilà, il a khallah, c'est Abdel. Mais. Non, c'est vrai que j'ai plus trop besoin de médias. C'est vrai. Après, sans prétention aucune, hein, ce sont les faits. Maintenant, rien n'empêche que parfois, bah, je me déplace aussi parce qu'il faut jouer le jeu. Ah, moi, je pense qu'il y a encore besoin de médias. Ah je bon? Pense que moi, ouais, même si tu as une chaîne YouTube, tu es influent, tu es un personnage des sports pieds-points et maintenant du MMA, mais je pense qu'il y aura toujours besoin quand même de ces médias pour quand même te mettre à l'honneur, des fois titiller un petit peu sur certains sujets. Je pense que c'est même vital pour quelqu'un. Même, vrai, s'il est, même si, effectivement, ta chaîne fonctionne bien, mais je pense que c'est important d'avoir des médias derrière. Pour voilà, pour ou critiquer ou pas, ou aduler, on s'en c'est fiche. C'est vrai, il y avait le combat de Connor contre Floyd et pourtant ils faisaient des médias aussi. Pourtant, ouais, ils ont pas besoin de médias, c'est vrai. C'est, ouais, c'est important. Ouais. Après, non, mais là, ça rentrait dans un business model. Il fallait vendre de la billetterie, donc là, ça s'inscrit. Je veux dire, ce que tu fais aujourd'hui, c'est ça, c'est ce qu'on fait en fait. On fait de la promotion pour le MMAGP. D'ailleurs, sur les haters,
C'est les haters, c'est pour moi, les haters, c'est les, ceux qui t'adulent, c'est les mêmes. On a besoin des deux, parce que le hater, ce que tu vas croiser dans la rue, il va te dire bonjour, oh Cédric, je suis content, on fait un selfie. Alors que c'est le premier qui aura mis. Moi, je l'ai vécu avec Carteron, avec Patrice. Il se faisait détester, il y a des gens qui le voyaient dans la rue, qui le détestaient. Patrice, je peux avoir une photo? C'est très français en fait, ça. C'est très français. Les haters, c'est vrai, ils payent leur place. Oui, oui, non, mais c'est ça, voilà. Il y en a qui payent pour le voir, pour le voir tomber, en fait. Mais ça, ça te dérange pas, ça? Non. Non, parce que en fait, qu'est-ce que je fasse? Tu te dis pas le mauvais œil, attention, non? Non, enfin, non. T'as jamais peur de ça? Non, non, non. Franchement, non, parce qu'en fait, je le provoque, j'alimente ça. C'est un jeu. Ouais, c'est ça. C'est un jeu. Donc, parfois, là où je vais voir un message d'un hater qui va me piquer parce qu'il va me dire, ce mec-là, il est trop arrogant, ça m'énerve, vivement que. Ça va me piquer deux secondes, après je vais me dire, mais c'est normal en fait. Ouais. Tu vois, parce qu'il ne connaît pas. Ah, t'as du recul. Voilà, on est tous différents. Et ça, c'est depuis longtemps. Parce que moi, j'ai une anecdote, Cédric. À Angoulême, on a un ami en commun qui s'appelle Nicolas Lambert, qui te connaissait et qui m'a dit à l'époque, il t'avait rencontré, vous avez bu ensemble. Vous étiez. T'étais déjà un vanneur à l'époque. Ah et oui, ça, c'était. Vous l'avez pêché, c'est bien. On a dit que vous pouvez. Mais c'est un nouvel homme. Voilà, c'est du passé. Mais déjà à cette époque-là, t'avais déjà un gros chemin qui bossait. Il y a deux semaines. C'est non, après, ça date Florent. Parce que c'était avant que je te explique en pied-point Angoulême. Ouais, c'était en 2014. 14, un truc comme ça, ouais. Et t'avais déjà cette image de chambreur. Mm-hmm. Et il y avait déjà des mecs qui disaient, ouais, mais ce mec-là, il chambre beaucoup. Sauf que oui, il chambre beaucoup, mais il gagne. Donc t'avais déjà tu jouais déjà à l'époque avec ça. Dès le début. Ça t'a suivi, ouais. Dès le début. Ma phrase, dès que j'ai commencé, c'était, je suis le meilleur alors que le meilleur gagne. Ça annonce déjà le personnage. Et je me souviens même, parce que récemment, il y a des gens qui ont partagé ça sur Twitter. C'est une vidéo que je donnais au journal, le journal du Mouet, où je parlais de Karim Gadji, Yohan Lydon, et je disais que moi, je les mettais KO, enfin, que je les battais, etc. Mm-hmm. Déjà à l'époque. Après, je les ai battus. Mais j'ai toujours été comme ça, ça. Et derrière, c'est ce qui faisait que je me donnais à fond parce que je voulais back it up. Je voulais vraiment assumer ce que je disais. En fait, c'est ça. C'est que tu verbalises publiquement les choses et du coup, ça te donne un espèce de pouvoir de création. J'ai en fait. Plus le choix maintenant. Ouais. Ça fout une pression quand même. Ça met une pression. Ah, ça met une pression. De dingue. Folle. Parce que derrière, tu te dis, putain, j'ai ouvert ma bouche. Ah, moi, dans les vestiaires, je suis comme un ouf. Je me dis, là, je peux pas. En fait, littéralement, je me dis ça. Je me dis, je ne peux pas perdre. C'est pas que je vais pas. Non, je ne peux pas perdre. C'est ce que tu as dit à la conf de presse au dernier Ma Grand Prix. Ah, exactement. Je peux pas perdre contre Florent Burillon. Je parle de Connor, je parle des trucs, Hamzad, etc. Là, si je perds contre Florent, non, là, je suis fini. Je suis fini. Alors, il y a la montée en puissance de Cédric Doumbé, mais il y a aussi la montée en puissance du MMA GP. En 2023, ça y est, on commence à étoffer un petit peu la carte, on commence à prendre de l'envergure au niveau international. Est-ce que tu peux nous parler des nouveautés 2023, Abdel? 2023, déjà, on a notre entrée en Suisse. C'est officiel. Donc, juillet, il y aura une édition. Il y en aura une en décembre. On n'a pas encore fixé la décembre. Date. Là, c'est la première fois que j'annonce. Ski, snowboard. OK. Donne-nous la date. Alors, décembre, je ne l'ai pas. Mais normalement, Genève, c'est 1er juillet. D'accord. Voilà, pour être clair. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, là, on a le Zénith au mois de mars. Mm-hmm. On va sûrement caler une date, petite date au mois de mai. Et puis après, on repart. Bon, je peux le dire. Normalement, 17 juin, ce sera l'Arkea Arena à Bordeaux, sur une salle de 10 000 places. 10 000 places ? Ouais, carrément. Alors attends, là au Zénith, on est sur une configuration à 5 000 ? Un peu plus de 5 000, ouais. Déjà, on est sur une belle ambition. Au max, quoi. Ils m'ont mis le max. Ah, ouais. Parce que c'est la jauge maximale. Après, le problème, c'est que tu mets la jauge maximale, elle a un peu moins de 7 000 quand tu as la fosse. Oui, mais il y a la fosse, un concert. Voilà, mais sinon, nous, on utilise le... Puis il y a Macache qui prend beaucoup de place. Ouais. C'est une des plus grosses du circuit. Et donc, voilà. Et donc, Bordeaux, 10 000 ? 10 000 Bordeaux, ouais. Cédric sera de la partie ? Peut-être, suspense. Devant combien de personnes maximum tu t'es produit, Cédric, dans le cadre du kick par exemple? C'était à Bercy. Ah non, c'était Oberhausen en Allemagne. Ouais. Glory Collision, Badr versus. Comment il s'appelle Nick Rico. Mmh. Ouf, ouais. Et c'était ma première ceinture du Glory. Et je crois que c'était, je peux pas dire de bêtises. C'était pas 20, 30 ? C'était 20, 20 000. Ouais. Ouais. Ah ouais, 20 000. 20 000 ouais. Donc là, on se rapprocherait d'une envergure assez intéressante. Ah mais c'est le but. Ouais, ouais. On a annoncé des choses là, bon, je vais pas... Mais on va avoir une diffusion quand même internationale dès le 4. Il faut savoir qu'on est diffusé dans
beaucoup, beaucoup de pays. 29 chaînes alimentées dès le 4 mars. D'accord. Et dont toute l'Afrique, le Brésil, ça va être quelque chose. Hein. D'accord. On va être diffusé en live au Cameroun, on va être diffusé partout. Là. Ah, c'est vrai, voilà. Trop bien. Bah, j'ai pensé à Cédric hier, quand on m'a annoncé aussi Cameroun, Sénégal. Mais alors, comment ça va se passer? C'est-à-dire que ça va être rediffusé localement avec les langues locales au Brésil, par exemple? C'est du live, on est sur des pays francophones quand même. Cameroun, tout ça, ça parle aussi français. Et après, on aura sûrement des Donc, on va être diffusé au Cameroun? Oui, bien sûr. Ah. Le but, c'est que, tu sais, en fait, j'essaie de ne pas me dissocier de ce qui se fait avec les grandes orgas. Il faut réagir comme les grandes orgas si on veut. Il ne faut pas copier les grandes orgas, mais réagir comme eux. Et aujourd'hui, tu mets pas. Enfin, ça sent plus à une franchise si à chaque fois, tu mets un commentateur différent dans tous les sens. Donc, après, peut-être trouver un système sous-titrage, peut-être un seul commentateur anglais. On va voir. D'accord, on est en rodage. Ouais. Mais dès le 4, c'est mis en place. Hein. D'accord. Donc là, on prend une envergure mondiale au niveau de la diffusion, on prend une envergure internationale européenne au niveau de l'événementiel, et la carte aussi qui s'étoffe. Et là, on va aller chercher une première ceinture chez les 57 kilos. C'est ça. Alors, c'est la deuxième. Beaucoup parlent de première, mais il ne faut pas oublier Alioune, qui n'est plus dans notre orga, donc il n'a plus la ceinture. Hein. Était à 66, c'est le premier à avoir disputé la ceinture. Il m'a fait 4 combats, 4 victoires, et il a disputé la ceinture. D'accord. Moi, lâcher des ceintures comme pour le fun, c'est pas. Je pense qu'une ceinture, ça se mérite. Et puis, si on veut pouvoir créer un vrai ranking, on peut pas lâcher la ceinture au premier arrivé comme ça. Donc là, la 57, c'est particulier. À 57, il y a pas grand monde. C'est très dur de. C'est un peu comme les poids lourds. Hein. Donc poids lourds plus 57, pour moi, c'est des ceintures qu'on peut libérer tout de suite. Et puis, ça va créer justement l'engouement. Et donc aujourd'hui, on a Michael Adjarouche quand même, qui a montré son retour en France explosif à la fois, qui, je pense, peut prétendre tout de suite. C'est le meilleur combattant français aujourd'hui. Et on a été chercher un adversaire qui vient du Bellator, Zubir Bouarsa. Il avait combattu à Dublin d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'en termes de matchmaking pour cette catégorie, on peut difficilement faire mieux. On aurait pu aussi faire face à Nicolas Leblanc. Mais ça, c'est que vous avez débauché du Cage Warrior. Et ça aurait fait aussi une belle course au titre. C'est ça. Mais on risque de le revoir quand même. On va le rappeler pour une autre date peut-être. Il risque de disputer une ceinture aussi. Il faut savoir qu'il peut évoluer dans deux catégories quand même. Et Nicolas Leblanc. Ouais. C'est dans le viseur. On est en train de réfléchir. On réfléchit à tout ce qu'on fait. On essaie de faire. C'est pour ça que on dévoile pas tout de suite les adversaires de Cédric. On dévoile pas. Et de plus en plus de combattants du Cage Warrior commencent à quitter l'organisation parce qu'en fait, tout simplement, il y a une réalité qui est économique. Ça ne paye pas au Cage Warrior. Et pas que du Cage Warrior. Je vous le dis, je suis appelé par beaucoup de combattants. Voilà. Après, on peut pas prendre tout le monde. Il y a l'effet Cédric Doumbé aussi. Les gens se disent. Alors, il y a ceux qui réfléchissent pas. Ils ont de la thune. Et puis, ils viennent vers nous et ils me disent à combien. Et Cédric, on a une relation. Il y a une histoire quand même. Il y a tout ça. On n'a pas juste signé comme ça. Il y a quelque chose de très fluide entre nous qui fonctionne. Si ce n'est pas indiscret, est-ce que c'est toujours la même prime pour Cédric? Ou vous évoluez On fait évoluer les choses. On fait évoluer. Je ne serai pas là. On fait évoluer. Après, il y a une réalité. Il y a une réalité. Cédric, il remplit. Il y a le côté humain entre nous. On se respecte beaucoup, lui et son staff. Ouais, c'est souvent qui est difficile à comprendre pour les gens. Exactement. Ouais. Mais il y a aussi le côté humain. Il n'y a pas que du business. Et c'est ce qui est intéressant. Business pour business, je vais prendre des retraités de l'UFC, premier qui sort tout ça. On lui file un billet, on l'amène, on remplit des. Et c'est pas le but. Là, il y a des histoires qui se créent. Moi, j'aimerais bien aussi voir Cédric il fait face à beaucoup de choses là. Moi, demain, d'avoir participé à ce qu'il est en train de faire et de prouver au monde entier qu'on avait raison, qu'il avait raison, parce qu'il ne faut pas oublier que ce qu'il a fait, là, c'est mon petit... ce qu'il a fait en kickboxing, c'est historique. Il faut revenir sur... Moi, je me suis retapé tous ces combats il n'y a pas très longtemps. On se voit champion. Non, mais c'est fou. Et puis les mecs qu'il a affrontés, comment on peut croire que ce qu'il a envie, qu'il a peur de qui que ce soit? Alors, j'ai une question. Murtel Grenhardt, ton adversaire de toujours, il s'est mis au MMA, d'ailleurs, il te surveille, je crois, de manière très assidue. Si il était amené à se retrouver sur ta route, tu le reprendrais? On l'a demandé. Hein. C'est vrai. J'ai tout fait. On a doublé, triplé, pris. Non. Honnêtement. Et il a pas voulu? On est dans un truc bizarre où on m'a demandé de faire le combat là-bas. Il y a un organisateur qui m'a dit, écoute, si tu le fais en Hollande, on va pouvoir faire, ou bien si on fait une co-orga. Mais en vrai, son manager est fixé sur un truc qui n'existe pas. Il demande un truc. On a plié. Hein. Honnêtement, on a plié parce que je voulais faire ce combat. Mais non, il a pas envie. Puis on a vu récemment qu'il réintégrait. Alors je sais pas si c'est du fake ou pas. Mais j'ai vu une publication où il réintégrait le Glory. Et en plus, où il demande Cédric Doumbé, j'ai vu. Alors je sais pas si c'est... Et là, je me suis dit, c'est le monde. Grenhardt va recombattre en kick. Ouais. Et je crois qu'il annonce. Je suis pas sûr, je sais pas si c'est un site fake ou quoi, donc je vais réserve sur ce que je dis là, mais au-dessus, il dit qu'il voudrait. Mais je veux dire, provoquer Cédric Doumbé qui a guitté le Glory. Et nous lui avons fait une proposition sur les mêmes AGP. Je comprends pas le. Ouais, c'est un peu bizarre tout ça. Il fait partie des gens qu'on ne cite pas. Ouais.
et puis qui a refusé Cédric Doumé. D'accord. Bah, ah, c'est dommage. Bah, carrément. Bon, allez. Ouais, ça aurait été intéressant de les voir s'épanouir dans un autre domaine. Alors, dernier élément important, Arayik Margaryan contre Bonjougou Sidibé. Le gagnant du combat pourrait prétendre à une ceinture. Exactement. En moins de 66 kilos. Ouais. Je ne voulais pas le faire tout de suite à cause de l'adversaire. Alors, Sidibé, c'est mon combattant à la base. Ouais. Il fait partie d'Obi Fight, même si j'ai annoncé la fin de la team et on finit la saison quand même et puis on continue à travailler ensemble. Et le problème, c'est qu'il est sur, je crois qu'il est sur une défaite, son adversaire, si je ne dis pas une bêtise. Il est sur une ou deux défaites, même s'il a un palmarès. Ouais. Il a perdu son dernier combat. Voilà. Arayik, ouais. Alors, donc, pas légitime pour moi, la ceinture. Un des premiers. Oui, hein. Oui, tout à fait. Et la ceinture du 100% Fight, ouais, ouais. Il s'entraîne chez Jean-Michel Foissard. Ouais. À Marseille, très bon gars, ouais. Très très bon gars. Très solide. Ouais, ouais. Et j'aime beaucoup Arayik et ça va être un très bel affiche. Et changement de caté. Oui, en plus, ouais. Ouais. Il était à 61, j'ai juste regardé le palmarès, on allait mettre la ceinture. Là. C'est ce que je vous disais, donner une ceinture pour donner une ceinture, c'est pas le but. 57, ça justifie. Poids lourd, ça se justifiera aussi. On va sûrement rentrer une ceinture dans la prochaine édition. Mais par contre, pour 66, c'est pas possible. Sortir une ceinture comme ça, c'est pas possible. Donc, j'ai vu que l'adversaire de Bonjougou était sur une défaite. C'est pas logique. On risque de rentrer dans des polémiques. Et puis, même sportivement, c'est pas notre politique. Donc, on l'a retiré. Poney va disputer la ceinture. Poney est à. D'ailleurs, il va peut-être le faire en juin. C'est une préannonce que je vous fais. Mais Poney est ouvert pour. Il est sur la carte là, du 4 mars, Jason. Non. En fait, Jason, il s'est cassé la main. Il s'est cassé la main lors du dernier combat. Exact. Et donc, il est là, ça y est, il sort de sa convalescence, il rattaque la prépa. Une ceinture envisageable pour Cédric Doumbé? Cédric, bien sûr, mais peut-être pas maintenant. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas affronter. On est dans ce truc un peu embêtant. Il ne peut pas affronter quelqu'un qui est au-dessus de 10. On ne va pas faire une ceinture en moins de 10. Je ne trouve pas le truc crédible. Du tout, ni pour lui, ni pour nous. Enfin, j'y ai jamais pensé en plus. Ouais. Non, on est vraiment sur un autre travail. Ouais, là, on est sur un travail vraiment d'émancipation, de construction de carrière. Par contre, la Suisse va donner cette dimension différente. La Suisse, le code du sport est différent. Mm-hmm. Donc, oui, parce que tu peux faire un combat et passer pro en Suisse. du côté de Bâle, à ce qui paraît, tu peux faire. Enfin, un sparring, pardon. Ouais. Alors, pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, Abdel, où est-ce qu'on peut se procurer les places du prochain MMAGP au Zénith? Alors, Wes Event, et puis après, sur tous nos réseaux, hein, vous avez le lien à chaque fois, MMAGP.org. Cédric le diffuse beaucoup, moi, la page MMAGP, voilà. Et les places partent très vite, hein, j'ai entendu dire. Honnêtement, ouais. Je remercie Cédric parce qu'il a donné quand même cette dimension. Enfin, il m'a redonné une crédibilité, on ne s'en rend pas compte, mais il a redonné une crédibilité au MMAGP puisqu'on avait commencé par essayer de nous détruire. Dès qu'on a commencé le MMAGP première saison, il n'y avait personne. On est les seuls à avoir mis les mains dans le cambouis. Et puis une fois que les autres organisations ont vu le jour, elles ont commencé par essayer de nous détruire en disant « ouais, ils ont commencé, mais il faut les mettre de côté ». Et c'est vrai que Cédric, il amène quand même, et je leur remercie. Et d'ailleurs, je vous le dis clairement, Cédric, quand tu annonces son nom, tu fais 500, 600 places d'entrée de jeu. Ouais, qu'on le veuille ou non, il génère de la billetterie. Hein. Voilà, donc on peut critiquer, hein, mais c'est dur d'égaler. Et un autre influenceur qui sera présent ce jour-là, c'est Greg MMA. Greg MMA, attention, c'est une heure d'attente. C'est pire que Euro Disney pour avoir un autographe. Il m'appelle pendant les événements, il me dit « Abdel, est-ce que tu peux m'aider à sortir Bordeaux ?» Il avait tellement d'eau, il n'était pas bien. Il m'a dit « Je peux sortir par ailleurs. » À chaque fois, j'hallucine. Ah, alors, il risque de ne pas être bien, Greg, parce que demain soir, on fait une table de poker à la maison, donc il vient jouer. Il risque de faire la gueule, je vous le dis. Donc le MMAGP le 4 mars prochain au Zénith de Paris. Il y aura également d'autres événements à suivre pour le MMA français. Regardez. Donc d'abord l'équipe de France amateur qui s'envole dès demain pour le championnat du monde IMAF. On leur souhaite bon courage. On espère revenir avec pas mal de médailles d'or. Le 17 février, la Supreme League de Hatch. On vous le rappelle le concept. Il s'agit d'un tournoi par équipe en amateur. Attention, ce sont des équipes notoires puisqu'il y aura la Old School Academy qui rencontre Sciences du Cas. La Snake Team rencontre Tactical de Toulouse. Le Phoenix Crossfight rencontre Chaos Squad. Bref, la future génération est en marche. Et le même jour, donc, aura lieu Ares Fighting Championship. Ensuite, le 25 février, le Bellator de Dublin entre le retour d'Azaël Adjouj et les débuts de Joël Kouadja. Soyez au rendez-vous. Le 4 mars, le MMAGP, on l'a dit, avec Cédric Doumbé, il ne faut surtout pas manquer ce rendez-vous. Et le 11 mars prochain, Hexagone MMA qui revient avec deux ceintures au sein du célèbre parc d'attractions de Poitiers, le Futuroscope. Et le Bellator Dublin, tu oublies quand même de dire que toi aussi tu es oui, sur la carte. Oui, mais moi j'aime bien qu'on me laisse dans mon obscurité tant que le bras n'est pas levé en fait, au cas où tu n'aurais pas encore compris. Eh ben non. Alors il y a aussi un jeu concours et ça va te parler, je pense, Cédric, puisqu'il s'agit d'un jeu concours Season. Donc Season, c'est simple, hein, ce sont des plats pré-préparés, pensés pour les sportifs, bio, frais et surtout délicieux. Cédric, c'est pas de l'intox, je veux dire, les plats, toi, tu les aimes ou pas? Ah non, moi j'aime beaucoup les plats Season et justement, c'est ce que je dis tout le temps à ma communauté, c'est que c'est la première fois que je mange diète
et que c'est bon. C'est-à-dire, j'ai pas l'impression de souffrir, j'ai pas l'impression que c'est pas bon, que je mange diète en fait. Je me régale et parfois même j'enchaîne 2-3 plats. Du coup, c'était plus une diète du tout parce que j'enchaîne 2-3 plats. C'est ça, les quantités, ça te convient en tant que sportif ? En tant que sportif, non, parce que moi je suis un mangeur, donc j'aimerais bien enchaîner 2-3. Mais c'est exactement ce qu'il me faut, oui, en tant que sportif. En tout cas, ouais, c'est très équilibré, c'est bio, c'est frais et c'est à gagner. Donc sur Sport en France, 2 cartons à gagner. Donc une semaine complète de repas. Il vous suffit tout simplement d'aller follow la page Instagram de Season, d'aller follow la page Instagram de Sport en France et de mettre un petit commentaire. Je participe au jeu concours. C'est aussi simple que ça. On fera le tirage au sort dans les 2 prochaines semaines. Voilà, et bien foncez, jouez parce que vraiment, c'est un régal, Season. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été présents. Ça a été une superbe émission encore. Cédric, on te souhaite le meilleur pour ton combat, une bonne fin de prépa, un bon cutting. Et puis Abdel, on se retrouve le 4 mars. C'est ça. Seb, la voix du MMA, let's go. Bonne soirée à tous. Bye bye.